numéro 4 avec la belle voiture de Sabatin. Sabatin, Poulain, ouais, joli à l'intérieur. Elle est un petit truc, c'est plus facile, on a l'impression que ça fait l'hélicoptère, mais elle est très belle. Bon, bien, c'est peut-être pas l'excellent carrossier, mais elle est très belle en bleu, et les roues qui tournent comme cela, avec derrière, bien, il s'est fait déposséder de ce départ, c'est Christophe Barbier. Seigneur. Oh.
Frédéric Seigneur avec la Citroën Exara. Gérard Leu, on va bien passer, qui sait pas où. Stéphane Leroy qui regarde. Il dit qu'à un moment donné, que ça allait arriver à passer quelque part, mais c'est pas le cas. Et ferme la marche, Frédéric Ferrand. Dans cette division 3, 4 voitures de roues. Et Françoise Bernard, que je salue, qui dès qu'il y a un beau garçon, mais automatiquement, elle est attirée. Fait le spectacle et le pilote avec la Honda orange sait qu'il est pénalisé sur la terre avec une propulsion, mais il ne quitte pas Eric François. Eric, il est collé, hein, sympa Eric, hein, il n'ira pas le pousser. Et là il en a perdu un petit peu Eric François, et en reprend la main sur la compression. Seigneur, bien devant, oui. Et là, avec lui, c'est fait. Il est passé, Gérard Leu, au freinage. À y chercher depuis un moment. Joli, hein, le freinage de Bertrand. Bertrand Gérard Leu. Qui revient, qui remonte. Ah, il n'est pas loin de Seigneur, mais voilà. Il aura manqué deux tours. Victoire de Frédéric Seigneur devant Bertrand Girardot, Eric François, Lionel Mercier. Lionel Mercier tout à l'heure avec le pilote. De quelle discipline vous venez? De rien du tout. Bravo, bien vu, bonne journée à vous. Florian Zapata qui s'impose donc dans cette manche. Anthony Poulain qui termine en dernière position. Seigneur qui a pris les devants. Et derrière, en troisième position, la seule propulsion, celle de Bertrand Girardot avec la Honda S2000. Juste derrière, Eric François, la 306 grise et verte. Et devant, Seigneur. Frédéric Seigneur avec la Citroën Exara. Gérard Leu, il va bien passer, qui sait pas où. Stéphane Leroy qui regarde. Il dit qu'à un moment donné, que ça allait arriver à passer quelque part, mais c'est pas le cas. Et ferme la marche, Frédéric Ferrand. Dans cette division 3, 4 voitures de roues motrices. Et Françoise Bernard, que je salue, qui dès qu'il y a un beau garçon, mais automatiquement, elle est attirée. Fait le spectacle et le pilote avec la Honda orange sait qu'il est pénalisé sur la terre avec une propulsion, mais il ne quitte pas Eric François. Eric, il est
les coller, hein. Sympa, Eric, hein, il n'ira pas le pousser. Et là, il en a perdu un petit peu. Eric François, il en reprend la main sur la compression. Seigneur, bien devant. Oui. Il est passé, Gérard de l'Orphanage, à y chercher depuis un moment. Joli, hein, l'Orphanage de Bertrand. Bertrand Girardot. Qui revient, qui remonte. Ah, il n'est pas loin de Seigneur, mais voilà. Il aura manqué deux tours. Victoire de Frédéric Seigneur devant Bertrand Girardot, Eric François, Lionel Percier. Lionel Percier tout avant avec le pilote. C'est bien de reborder cette manche à la maison, hein. Oui, c'est bien. Depuis quelques moments, j'en avais envie. C'était quand même joli. Voilà, c'est de bon augure pour la. J'espère qu'il n'a rien cassé, parce qu'il n'a pas de bol. Hein. L'homme de la 207. Alors, 4-3 de France, c'est pas mal, mais il est parti loin devant maintenant. Sébastien Guillemot. Guillemot. Pesat. Et toujours en tête, Sébastien Guillemot qui augmente son avance sur Nicolas Bezard. Philippe Collot s'arrête. Qu'est-ce qui est arrivé à Gilbert? Il s'arrête dans l'herbe. Et le vent, la 306 du pilote Frangeuil. Notre compétition. Ah bon? Ah oui, c'est parce qu'il fait froid qu'il ouvre le feu. Ça doit être pour ravitailler. Aux attaques de la 207 du team MTA. Au moment où j'y résiste, il est quand même collé, Kevin Jacquinet. MTA qui avait trace de la traversée hier de la 307 qui lui a percuté tout le côté droit. Sébastien Guillemot. Et à la lutte avec les émissaires de la première épreuve qu'il a remportée sur le circuit de essai il y a de cela 15 jours lors de l'ouverture du championnat. Ah, il a Sébastien Guillemot en seigneur. Et le meilleur temps, Nicolas Bezard, la Honda, deuxième, troisième, la Honda de Lambert, et quatrième, la 207 du team MDA. Et alors que le départ et le rythme imposé est prépondérant avec un superbe départ de Steven Lefrançois. Là-bas, bah oui, il était à l'intérieur.
le lit à trois, c'est logique que le François se retrouve un petit peu à l'extérieur, la logique même de la pole position. Et il a pris pourtant un très bon départ. S'il faisait pareil en finale, parce qu'attendez, c'est la finale qui compte. Hein. Mais là, l'Audi à 3 s'en va. Voilà, Sylvain de François se réveille. Un peu moins puissant, la 206. Troisième bout de route, quatrième par la Pontorelle. L'écurie du Timbré avec tous ses supporters actifs autour du circuit. Un départ va donner l'arrivée. Ils ont pris leur place respective. Et le duel que j'attendais sera reporté dans la troisième manche. C'est bien, comme ça on est obligé d'avancer, d'aller jusqu'au final. Dans ce rythme-là. Oh, Steven de François. Et il est passé sur. Non. Quand il est passé sur le vibreur, il y a quelque chose qui a cassé. En prenant le vibreur, il s'est arrêté et il s'y rentre. Donc tout seul. Voilà, Jimmy Terpereau tout seul. Allez la belle Fio, de Saint-Vatan. Voilà Saint-Vatan à l'extérieur. Il laisse trop à l'extérieur. Et là-bas du coup Eric François est à l'intérieur attaqué par le pilote STP. Et qui sortira devant la 206, le pilote STG, Stéphane Leroy, Eric François, Saint-Vatan, Girardot et là en bas. Il est parti. Ah, le roi, le pilote STG, loin, loin devant. Le transporteur s'en va. Yeah.
vibreur, alors que là-bas dans l'épingle, et sur ce circuit magnifiquement entretenu toute l'année par les travaux publics et particuliers Poulain, et qui n'a pas bougé malgré les déferlantes d'eau qui se sont abattues sur le site des Tournex. Eh bien, l'équipe Poulain a fait un circuit fabuleux. Et sa bataille vient passer derrière avec François. Il ne parvient pas. Et François attaqué par la Clio de la carrosserie Sabatin. Peut-être. Dernier tour. Allez, sans toi. Il attaque de tous les côtés, hein. Les vibreurs devant tout. Le seul pilote à avoir une propulsion dans la division 4 ne ménage pas sa peine. Et il avance, hein, c'est marqué dessus. Et là, c'est pas moi qui suis. Non, c'est que. On bouge ici sur le. C'est quoi des combis? Victoire le roi. Voilà, deuxième chrono pour Stéphane Leroy. On a gagné une manche, c'est pour une finale. Voilà. Très bien, on se retrouve tout à l'heure dans les finales. C'était Stéphane Leroy. Joli à l'extérieur, tout le monde double à l'extérieur maintenant. Ils ont rempli le truc, et voilà. Marcou de Roi, c'est pareil. À l'extérieur, il est troisième. Il a nommé le seigneur, alors que la 207 est collée contre la 306. Kevin Chakinet, juste derrière Sébastien Guillemot. Et on regarde du coup, ils ont raison. Et le duel. Guillemot, Chakinet. Voilà, collé derrière Sébastien Guillemot, Kevin Chakinet, il a fait mettre 207. Le Kevin Théa ne le quitte pas. Boulero remonte. Ça le pousse, hein. Le fait que derrière lui soit Kevin Chakinet. N'oublions pas que dans la troisième manche, les gens peuvent faire le meilleur temps et surtout prendre le point. Après le nouveau règlement 2013, ça peut changer la face du championnat de France à la fin de la saison. De 2 points acquis dans la troisième manche. Dernier tour. Yeah.
en Mayenne. Mayenne, le 9 septembre. Et le drapeau d'Amy, victoire avec le meilleur temps, je pense, pour Sébastien Guillemot. Oui. Sébastien Guillemot, le meilleur temps. J'ai pris quelques fautes, par contre, c'est un peu dommage. Quoi. Je pense que je vais encore la louper cette course. Et n'oubliez pas de prendre le pilote de l'écurie du Timbré a pris le. Et bien, il a pris la tête. Eh oui, Steven. Steven Lefrançois. Steven Lefrançois. Et il est sorti. Il ne prend pas les deux points. Il n'aura pas les deux points de la troisième manche. Et Steven Lefrançois va peut-être tout mettre tout le monde d'accord. Lefrançois, Lambert, Rezard, Lefrançois. Pilote maintenant en finale et que l'extérieur sur la ligne de départ ça va peut-être nous donner les finales d'enfer. On démarre plus vite de l'extérieur que la marche de la pole. Steven Lefrançois l'a montré. De Lambert et de Bezard, de même que Grégory Foss, qui fait un bon début de saison dans cette division 4. Et Steven s'en va. Et Jupiter Poro et cogite. Ça va vite, hein. On a des nouveaux vainqueurs ici, des pilotes qui n'ont jamais gagné leur deux rallycross sur dos, sur le circuit du Tournex. Ah, Steven Lefrançois, Lambert. Le Honda, la profondeur de 206, mais il est parti. On ne le reverra pas. Lui qui avait arrêté l'an dernier de rouler, il n'a rien perdu. Hein. Ça commence à cogiter un petit peu de partout là. Ah, maintenant le doute est mis dans la tête de Sébastien Guillemot, dans la tête de Jimmy Terpereau. Steven Lefrançois, l'empêcheur de tourner en rond. Et qui a le meilleur temps? Alors c'est Sébastien Guillemot. Hein, qui... Ah mais tu ne connais pas? Division 4 encore. Justement, j'ai Fabien Grosset-Jeannin qui vient de l'emporter à mes côtés. Bon Fabien, vous réalisez la belle opération là, un deuxième chrono, mais d'après les petits calculs de Jean-Jacques, ça vous mettrait peut-être en pôle ça. Ouais, je savais qu'à l'extérieur ça démarrait bien, donc j'ai joué là-dessus. Bien parti, j'ai vu qu'il y avait du monde au premier virage, mais j'ai pris le coup et j'ai réussi à sortir devant. Après, il a fallu rouler vite tout le long. J'ai pensé avoir bien roulé. Deuxième temps, c'est pas mal. Il faut penser à la finale maintenant. Si on part bien placé, c'est une bonne chose. Belle opération pour Fabien Grosset-Jeannin avec bonne opération aussi pour Julien Delorme. Est-ce qu'il est arrivé là? Il n'est pas arrivé. Il
bonne opération. Là, même chose aussi. Andrea Dubourg, il faudra compter avec lui. Pareil pour Sylvain Raymond. Et pendant ce temps, en division 4, eh bien, c'est Gilbert Philippe Ono qui est parti le plus rapide. On n'a plus le temps de respirer. Hein. Entre la Pino et la D4, c'est chaud, ça pousse, ça envoie, ça déménage, ça cartonne. Et Barbie en deuxième position. Ah, c'est ça, ça discute. Ah, dans le team des Landes, ça y va. Et c'est du béton, ça vient pour ce jeune homme, comme le dirait Michel Marceau. Rouge, il fait l'extérieur. Il est bien là-bas à l'extérieur, il a raison, il pique, il pique, et dehors. Et du coup, il perd même. Ah, et pendant ce temps, c'est Guilherme Frédéric qui récupère la troisième place. C'était beau ce qu'il a fait. Il faut tenter, il faut y aller, il faut vouloir, il faut pouvoir. Et bien, il l'a fait. Et Barbier, oh non! Philippe Ono s'arrête à nouveau, il n'a pas de mal, ça va pareil à la deuxième manche. Et tous les deux, bon, il a perdu, et là maintenant les places sont acquises. Et la deuxième place pour Frédéric Guilherme. Une belle victoire pour Christophe Barbier. Voilà Guilherme. Là. Et on va avoir droit à la dépanneuse, à la ficelle. Vous avez bien rattrapé la situation là dans cette finale C. Ouais, en effet, ce matin c'était assez compliqué, il faut se mettre en malade bingo. Et là j'ai eu la chance de prendre un bon revers. Et derrière ça a poussé fort, mais j'ai su garder cette deuxième place. Bien, bravo, à tout à l'heure, on s'est mis tout du bonheur pour prendre un survivre. Bien celui que l'on n'attendait pas à montrer à tout le monde, Bertrand Girardot, avec la Honda Propulsion, pouvait partir devant, il est parti devant. Donc, qu'est-ce qui est arrêté là-bas? Ça doit être le roi. Ouais, le roi est arrêté, le pilote STG est en panne. Alors que de ici, bien toujours pareil, seuls les deux premiers seront qualifiés pour aller sur. La dernière ligne de la finale B avec Bertrand Girardot qui emmène Eric François, qui emmène Poulain, qui est Pono, avec un 306 et Violette fait le spectacle en fond de grille. Pour aller se qualifier avec François, pour essayer de revenir sur la Clio de Poulain. Poulain. La troisième place, Eric François, Guilherme, Frédéric avec la 306 grise en quatrième position. Qui emmène Mercier, la 306 blanche. Il a fait un écart, bravo, c'est sportif. Il n'a pas été le toucher. Et devant, toujours Bertrand Girardot. Ah, il avance. Bertrand Girardot. Girardot.
Poulain. Poulain ne le lâche pas, mais Poulain ne peut pas se permettre de le lâcher. Avec François, la 306 verte, et par Guilherme, la 306 grise. Seuls les deux premiers, passant le drapeau à Damien, seront qualifiés, toujours le soleil, sur le circuit du Tour d'Aix, le circuit de Châteauroux-Saint-Maur. Et il vaut mieux rouler vite sur un circuit que sur la route, ne pas l'oublier. C'est pour cela que la France doit avoir beaucoup de circuits. Pour la sécurité avant tout et le spectacle. Comme il y a 15 jours, comme à la première épreuve du championnat. Il est présent et il ira en finale B avec la Honda S2000 orange que beaucoup n'ont pas vu. Devant. Oula, c'est la dernière ligne avec la Clio. Il se retrouve deuxième. Poulain, deuxième devant Edebeu pour Eric François à la troisième place. Guilherme, quatrième. Cinquième, la descente de Mercier. Et ça va, et devant.
l'hymne de la belle Clio bleue aux jantes jaunes. C'est bien, en plus, quand ils freinent, ça bloque les roues arrière. Donc, la jante de tour de cuir, on aperçoit les trois barreaux par en jaune. Bien avant Barbier. Seigneur. Et bien aussi. Très beau Nicolas Botorel, la C4, c'est carrément monté sur le côté, et toujours, et après Gérardot qui avance devant la 207 de Kevin Jacquinet. Donc ça n'importe peu, Moreau qui abandonne. Et qualification pour la belle Clio de Zapata. Le carrossier devant le bagage. Il est dans la poussière en freinage, tout le monde va à gauche, personne ne voit plus rien derrière. Et le public en ramasse un petit souvenir. Quel départ aussi de la cinquième ligne pour la Clio bleu. Herperot, Lambert, Sarata, il s'en va Lambert, il s'en va Jimmy Herperot s'en va, alors que Steven Lefrançois doit revenir seul. Position de Sébastien Guillemot, quatrième Lambert. Cinquième, c'est bien pour sa première course pour le carrossier. Zapata. Jean-Jacques. C'est pas fini pour
deuxième place. Là, il a perdu un petit peu, c'est dommage. Sébastien Guillemot, trop. Et l'homme de l'Audi A3 sera-t-il l'homme à battre tout au long de la saison, duquel il le prouve après deux courses. Après, comme il y a des francs qui meurent, il vient de temps en temps. De temps en temps, quand on va remonter là-haut en Bretagne, jolie, superbe performance en tout cas pour 206. Encore une fois, il est revenu et il aura tout fait. Sébastien Guillemot, revenu encore une fois dans les roues et de Steven Lefrançois. Dernier tour. Alors, la 306, la 206 pour la deuxième marche du podium. Un duel magnifique, superbe, et passé à toujours devant, Sébastien Guillemot, à belle bagarre. Ah, il aura tout tenté, mais Steven Lefrançois, le pilote Drouet, tient le rythme. Il reste victoire de Jimmy Terforo de la tête et des épaules et le podium à la deuxième place pour Steven Lefrançois devant Sébastien Guillemot, Lambert quatrième, cinquième Zavatov. C'est une première pour l'homme de la belle Clio placé dans le top 5. Et on peut dire que bravo Nicolas Bezard se retrouve lui aussi